Hey, hey les amis, c'est Fun Cyclisme, comment allez-vous? En tout cas, moi c'est nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur Pro Cycling Manager 2015 avec Alexandre Bosquet, notre sprinter. On est à la ITX Quickstep, on a changé d'équipe entre deux. On n'est plus à la Fortuneo, il me semble. Ouais, non, je sais plus vraiment à quelle équipe on était avant. Attendez. Je sais plus, franchement, j'en sais rien. Donc là, on va avancer un petit peu. Il reste 35 km. Les échappés sont à 2,20. Et on a quelqu'un devant, c'est Ilio Case. Ok, donc on va rentrer là. On va les reprendre. 1 minute, 2 minutes en gros, 1 minute 30. Voilà, c'est bon. On va reprendre les échappés. On va se remettre en x1. Donc je sais pas si on est un leader pour aujourd'hui. J'ai aucune idée. Avec la vitesse en roulé, on a perdu quand même pas mal de barres avec Alexandre. Ah d'accord, donc lui il fait des plus. Tout est comme ça toi. D'accord, je me suis trompé de touche. Et les équipiers là qui sont rattrapés. Fin de l'échappée, le groupe vient d'être repris. C'est bon, l'échappée est finie là. Là, on rentre dans les chasses sérieuses. De cœur, champion de l'Irlande, il me semble. Les sprinteurs cherchent à se replacer à l'avant du peloton. Nous allons probablement assister à une arrivée groupée. Tom Brunel. Nous on va faire un peu comme Sagan, on va prendre les trains, on va les voler. 3 km, 4 km ce serait bien qu'on remonte. On va remonter à notre rythme. 88 et effort car ça 88. On va prendre notre gel. Le sprint final est lancé, ça va très Allez, c'est parti un sprint là. Avec Alexandre, on ne s'imposera pas aujourd'hui. On va peut-être faire une bonne place. Un sprint tout en puissance pour une superbe victoire. On finit quand même devant Zdeněk Stuber et Tom Boonen à la 11e place. C'est pas dégueulasse quand même. Hein. On n'était pas très bien placé dans les derniers mètres. C'est ça qui nous a coûté, je pense, une meilleure place. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Quand même fait une bonne place. Hein. 11e avec les coureurs qu'il y avait, c'est pas mal. Voici maintenant les meilleurs moments. Je vais juste faire le replay vite fait. Là c'est le sprint final. Il reste encore 20 km. Là on était mal placé déjà, enfin ça va là. C'est là où on a. Là on n'était pas bien placé. Puis là j'ai perdu de la barre. Et puis là on s'est fait enfermer. Puis là on a lancé. On n'avait plus de jus déjà, hein. Je sais pas si vous avez vu. On était crevé. Je voulais juste regarder un truc. Il s'appelle comment? Je crois que c'est Howard qui a gagné. C'est lui. Avec 76 en sprint quand même. Et le deuxième c'est Daniel Hoss. Il est où Daniel Hoss? Je crois qu'il est là. 74, ouais, bon. On a fait une bonne place quand même avec nos stats. Ça va. On va aller au résultat. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, à inviter des potes. Nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos avec le sprinter ou le grimpeur. Allez, bye!